Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, ce 24 décembre 2023, pour donc la 24e ouverture des calendriers de l'Avent. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais un peu mieux, voilà, chaque jour un petit peu mieux. J'ai encore très mal à la gorge. Voilà, j'ai le nez encore bien pris, beaucoup d'éternuements, enfin voilà, donc maux de tête. Je suis quand même avec un peu plus de tonicité, même si c'est pas la forme olympique. Voilà, je tenais quand même à faire mes petits rendez-vous quotidiens dans la mesure du possible. Voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir et que en cette veille de Noël, donc je vous apporterai ne serait-ce qu'une once de bonheur. Et bah écoutez, je suis contente, ça me fait plaisir, ça me fait du bien aussi. Alors vous m'excuserez, je suis encore en robe de chambre, mais j'ai décidé de me laisser un peu vivre. Voilà. Je crois que vous pouvez aussi vous faire du cocooning, des choses comme ça. Je ne peux qu'apporter des mots, adoucir les mots MAUX avec des petits mots MOTS. Et donc, bah écoutez, si c'est déjà quelque chose comme ça, bah c'est déjà super. Et en tout cas, ben voilà, donc c'est l'avant-dernier jour du calendrier de l'Avent. Pour certains calendriers, c'est le dernier jour. Et puis pour d'autres, il y a une petite prolongation. Et donc, ben, on verra ça dans les prochains jours. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé, voilà, de faire une petite prolongation parce que j'ai envie de me faire du bien, de me faire plaisir. Ça me fait plaisir. Voilà, ce sont des petites choses, c'est du matériel, tout ça. C'est pas ça qui est le plus important, mais ça me permet d'avoir des objectifs quotidiens, de me faire faire quelque chose aussi, et puis de penser à de futurs projets. Des projets, j'en ai pas mal quand même encore dans ma tête. C'est ça l'essentiel. J'espère que vous aussi, vous avez des projets. Et puis, en tout cas, que vous passerez quand même des fêtes sympathiques, enfin en tout cas entourées au moins de quelques personnes, ou même des fois que d'une seule personne. Et ben écoutez, c'est toujours ça de prix. Et puis de pas être tout seul, d'essayer de voilà de trouver, comme je dis toujours, les mini bonheurs là où on peut. Voilà, alors ben je vais arrêter de baratiner, hein. Il y en a que ça plaît pas, mais c'est pas grave, mais moi ça me plaît en tout cas de partager avec vous ces petits moments. Et puis si je peux adoucir des fois, à tant soit peu, quelque chose, eh bien, moi, je me dis que c'est toujours ça de prix et que c'est toujours ça que j'ai pu donner, en tout cas. Et puis, voilà. En tout cas, merci infiniment pour tous ces bons moments 2023 que vous m'avez fait vivre. J'aurai l'occasion de le redire dans les prochains temps. Mais déjà, aujourd'hui, en ce Noël, je profite de vous remercier. Et puis d'être sur ma chaîne déjà, d'apprécier qui je suis, pas forcément ce que je fais, mais qui je suis. Et après, voilà, après, moi, au-delà de la chaîne, c'est sûr que je souhaite partager des choses, le scrap n'est qu'un moyen, mais en même temps, c'est de passer un petit moment, un petit bout de chemin avec vous, auprès de vous, enfin, c'est virtuel, hein, mais il y en a avec qui c'est plus... c'est plus que virtuel, et ça c'est super, parce que c'est l'objectif que je recherche derrière cet écran, c'est de découvrir des personnes, et puis des gens qui ont envie de faire avec moi un bout de chemin, ou alors de partager quelque chose, voilà. Donc, eh bien écoutez, en tout cas, merci infiniment d'être là, et puis d'être là aussi dans le plan plus privé, d'être là dans le plan plus personnel parfois, d'être là aussi, tout simplement d'être là. Voilà, vos petits commentaires, vos petits likes, vos abonnements, tout ça me touche beaucoup. Et puis, c'est vrai que dans ces vidéos, il y a beaucoup de consommateurs, beaucoup de gens qui cherchent à prendre de ci, de là, tout ça. Bon, bah écoutez, voilà, c'est le jeu aussi, hein. Mais en même temps, au-delà de ça, voilà, moi, je recherche vraiment autre chose. Et voilà, donc si ça peut permettre de vraiment apporter quelque chose, eh ben, vous voyez, j'en serais vraiment ravie et très heureuse. Voilà,
Eh bien, écoutez, sans plus attendre, nous allons commencer. Oh, oh, le bateau est bientôt en cale sèche. Il n'y a plus grand-chose, vous voyez? Mais il est beau, hein, il est toujours aussi beau. Voilà, donc... ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Il était un petit navire, je m'amuse. Hein. On s'amuse comme on peut, avec ce qu'on a. Hein. Il y a le petit tiroir que j'avais déjà découvert qui est parti hein, dans mes histoires. Là. Et du coup, voilà. Écoutez, vous voyez, je retrouve le sourire, je retrouve le rire. Donc, bah, c'est que ça va. Même si ça va moins, et bah, écoutez, voilà, on essaye de... Je remets le tiroir à sa place. Voilà, le numéro 2 qui s'est barré. Le petit navire, il y avait un peu de houle, hein, donc voilà. Et du coup, j'ai trouvé la petite case, donc numéro 24, voici. Donc, du coup, qui a perdu aussi sa petite boulette dans la houle. Et donc, je vais découvrir le petit cadeau que j'ai aperçu ici. Donc, je pense que vous l'avez vu. Le petit cadeau, il est ici. Voilà, il est là. Donc, super. Merci encore infiniment, Sandra, pour ce très joli bateau que j'ai eu vraiment du plaisir à découvrir chaque jour. Et voilà, donc, voici le numéro 24. Je suis très heureuse. Tu m'as comblé, tu m'as fait vraiment du bien tout au long de ce mois. Ça m'a fait super plaisir et je te remercie infiniment pour ça. Ce sont des, au travers de petits cadeaux, c'est aussi de l'amitié. Et ce n'est pas que des petits cadeaux, c'est toute une histoire derrière. Voilà. Et bien écoutez, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup Sandra. Je te souhaite beaucoup de plaisir. Et puis, toi aussi, j'espère que tu as ressenti cela avec notre échange. Alors, nous allons découvrir ici... Oh, 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 mais oui! Regardez ce que je découvre. Oh, un très joli chipboard. Un chipboard Laser Love. Oh, c'est joli, j'adore. C'est musical. Alors, ça représente quoi? Ah, c'est super. Ah, j'adore. Il est beau. Il est très, très joli. Regardez-moi ça. Ça, je sais dans quoi je vais le mettre. Bien sûr, dans quoi je vais le mettre. Yes, yes, yes. Je vais vous enlever l'emballage. Comme ça, on va pouvoir découvrir. On va pouvoir découvrir. Oh, qu'est-ce que c'est joli. C'est un chipboard en bois. Donc, il y en a deux. C'est magnifique. Magnifique. J'adore. Trop, trop beau. Franchement, je ne me lasse pas de toutes ces choses. Je vous montre un par un. C'est magnifique. Merci beaucoup pour ce petit présent. Merci infiniment. Merci beaucoup, beaucoup. Et je te fais plein de zoubi scrap. Merci infiniment. Bye bye. À demain. Restez, hein, il y a encore la suite. Ne partez pas. Hein. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Bisous. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Hello, hello, Jane. Et voici la hotte du Père Noël. Il m'a laissé sa hotte, hein, t'as vu? Et puis, ben, les jouets par milliers, il n'y en a plus beaucoup, hein. Il en reste deux. C'est déjà ça, hein. Il reste deux boîtes. Alors, il ne faut pas que je me trompe, hein. Il y a la boîte 23, non, 25.
La 23, c'était hier. Et la boîte 24. Donc, voilà. La boîte 24, elle a une grosse boule et la petite, la 25. Alors, je remets dans la hotte du Père Noël. Merci beaucoup, Jem, pour cette petite boîte toute mignonne, mignonnette. Et c'était vraiment un plaisir de découvrir tout ça. Chaque jour, je te remercie infiniment. Vraiment, tu m'as comblé de joie pendant tout ce, durant tout ce mois de décembre, du 1er jusqu'au 24, toi aussi. En tout cas, j'étais très heureuse de participer à ce calendrier avec toi. Et je te remercie infiniment pour avoir fait cet échange cette année avec moi. C'est super sympa. Oh, un petit washi petit chat. Je découvre ici un petit bout de washi petit chat. Trop mignon, regardez. Les petits miaou. Et moi, ma petite miaou qui n'est jamais revenue. C'est un peu l'ombre au tableau. Ouais, ça me fout les boules un peu comme Nikita. Elle n'est jamais revenue. Mais bon, mais voilà, c'est comme ça. Ouais. Ça, je ne veux pas trop en parler parce que sinon je vais pleurer. Mais elle me manque. C'est normal, hein. Allez, c'est passé, voilà, me revoilà. Donc, même si elle me manque, eh ben, écoutez, il faut avancer, de toute façon, on n'a pas le choix. Et puis, ben, j'espère surtout qu'elle est peut-être au chaud quelque part. C'est surtout ça qui, des fois, me travaille un peu. Et voilà. Jem, je reviens sur toi. Je n'étais pas venue pour parler de mon chat, mais ça m'a fait rappeler. Ce n'est absolument pas grave de ta part. Ton petit paquet est superbe. Voici le numéro 24, mesdames et messieurs. Voici le numéro 24 de Jem. Donc, je vais ouvrir la petite boîte. Je sais ce qu'il y a dedans. Il y a la pastille. Mais je vais quand même faire une ouverture. On n'a pas envie de défaire ces petites boîtes. Hein. C'est très, très joli. Mais il faut bien, parce que je suis gourmande. Alors, pour manger le petit chocolat, au moins, ce qu'il y a de bien dans ma maladie, c'est que je n'ai pas perdu le goût. Même s'il est un peu atténué. Mais j'ai pas perdu le goût ni l'odorat. Donc ça, c'est bien. C'est super. Donc, heureusement, parce que comme ça, Jem, t'as vu, je peux manger des petits bonbons. Alors, je ne les mange pas les deux en même temps. Hein. Je vais doucement. Hein. J'essaye de pas trop en manger. Mais c'est tellement tentant. Il n'y en a que deux. C'est pas beaucoup, deux. Enfin, t'as raison. Il faut que je fasse attention quand même. Hein. Mais bon, voilà. En tout cas, merci infiniment pour tous ces petits cadeaux. C'était vraiment un plaisir. Et regardez, une belle petite boîte berlingot, très très mignonne. Voilà, je vais l'ouvrir de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oh oh! Oh oh oh! Oh regarde, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un petit ruban. Oh, c'est Santoro. C'est un petit ruban de Gorgeous. Oh, trop mignon. C'est avec, je crois, des flocons de neige. Odile, arrête avec tes étoiles de neige. Eh ben, écoute, si j'ai envie d'avoir des étoiles plein les yeux, ben ouais, je dis les étoiles de neige. Et puis voilà. Eh ben, je crois que ça va me rester, hein, les flocons de neige, les étoiles de neige. Peut-être parce que j'ai les yeux, voilà, plein de flocons de neige. Ici, il neige pas, hein. Il fait beau quand même, on n'a pas trop de pluie, donc ça c'est bien. Voilà le petit ruban de Gorgeous, c'est super. Merci infiniment ma belle pour ce ruban de Gorgeous, c'est toujours sympathique. Et puis avec les flocons de neige, c'est en plein dans le thème de maintenant. Et il y a un autre petit paquet avec le quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mou. Ah, c'est un moule. C'est un moulage. Alors, c'est pas un truc à manger, hein. C'est un moulage. Alors, c'est fait pour faire des petites formes. Oh, j'adore ça. J'aime bien ce genre de petit moulage. Ah ouais, c'est super. Merci beaucoup. Ah oui, c'est super mignon. J'adore. Et c'est des moulages pour faire des feuilles et des fleurs, je crois. Regardez-moi comme c'est joli. Oui, c'est ça, c'est des feuilles, des fleurs. Trop, trop mignon, j'adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jem. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tous tes petits jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Soubiscra, bye bye. Couvrons à présent Strat Didi. Youpi le Didi. Oui. Youpi youpi. J'aime beaucoup Strat Didi. C'est une enseigne que j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup leurs produits, vraiment. Et voilà, il y en a d'autres que j'aime, mais celle-ci, je l'aime particulièrement. J'ai aucune action avec eux, rien du tout, mais j'ai aucun conflit d'intérêt non plus, puisqu'on est dans les conflits d'intérêt maintenant. Non, non, j'ai aucun conflit d'intérêt. Et vraiment, j'adore Scott Didi. Voilà, donc j'aime beaucoup leurs produits. C'est très sympa, c'est pas trop grand, pas... des fois c'est un peu trop petit pour moi, mais bon, c'est dû à mes difficultés. Mais en même temps, voilà, ce sont des choses que j'aime bien. En plus, c'est une boutique française, donc j'aime bien soutenir les petites boutiques françaises aussi. Et donc, j'aime bien soutenir voilà, les Français, bien sûr, forcément, je fais partie de la France, bon, même si je n'ai rien contre personne. Hein, mais voilà, du coup, vraiment, voilà, j'aime beaucoup. Voici donc des petites étiquettes hachurées. C'est des étiquettes hachurées, ils appellent ça. Donc c'est avec des bords hachurés. Voilà, tout simplement. Donc on viendra faire un petit tamponnage avec ceci. Et c'est vraiment top. Voilà, avec tous les petits mots qu'on a eus, eh bien on peut, je pense, les insérer dans ces petites étiquettes parce que tout est réfléchi quand même et tout est pensé. Et du coup, vraiment, c'est top. Et moi qui adore particulièrement le thème de la photo, pas que, hein, mais le thème de la photo, ils ont plein de thèmes que j'adore. Et vraiment, ça fait la deuxième année que je prends leur calendrier. Et franchement, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré aussi, quoi. Voilà. Et celui-là m'a été offert. Donc, du coup, merci, merci, merci beaucoup pour tous ces petits présents Scrap Didi. J'étais heureuse de découvrir aussi. Et vous verrez, c'est pas fini. Bye bye. Et coucou Stephen Scrap. Stephen Scrap, elle est venue faire dans la rondeur pour changer du rectangle. Donc avec ce joli papier cadeau 24. Donc ici, nous avons donc quoi à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est? Du scotch? Qu'est-ce que c'est? C'est quand même assez grand hein, dans la main, ça rentre dans toute la paume de ma main. Bon, on va l'ouvrir, hein? On va l'ouvrir. Allez, c'est parti. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Il est parti, le Père Noël, vous avez vu à la télévision? Enfin, pour ceux qui regardent un peu la télé, moi je ne regarde pas tout le temps, parce que des fois, il y a souvent quand même pas de bonnes choses dans la télévision. Hein. Donc, alors, je suis en train de chercher mes ciseaux qui sont dans le coin. Juste, il faut que je remette la main dessus. Voilà, pas que je me pique avec les petits bouts. Voilà, je découpe. Et je vais ouvrir. Cadeau 24. J'en profite en même temps, Stephen Scrap, pour te souhaiter de belles fêtes également, ainsi qu'à tout le monde, évidemment. Mais voilà, je profite en même temps de le dire à la caméra. Allez, c'est parti, j'ouvre. Je ne suis pas pressée aujourd'hui, j'arrache pas tout. Hein. Bon, c'est bien scotché en tout cas. Hein. Et je crois que je vais... voilà, ça y est. Oh, 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 un pot, un pot. C'est un gros pot. Un gros pot de quoi? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est de carte déco. C'est couleur gold, ah, génial. Ah, c'est de la mousse. Oh, super. Oh, c'est de la mousse. Donc, apparemment, on peut faire de la peinture avec ça. Je ne sais pas trop utiliser ça. Mais je pense que c'est quelque chose pour faire des effets. Oh, c'est trop bien. Oh, merci. Merci bien. Ça, c'est un beau cadeau, ça. Alors. C'est un beau parmi les autres, hein. Voilà. Donc on ferme le petit pot. Donc c'est un pot de chez Carte Déco. Donc c'est la marque que fait Stéphanie. Et puis donc du coup avec donc c'est expanding mousse. Donc c'est de la mousse expansive. Donc ça doit se développer en 3D gold. Donc couleur or. Oh, c'est trop bien. Merci beaucoup. Voilà, c'est très sympa. Sa première année, je prends son calendrier. Voilà. Donc, sa première fois, je découvrais ses produits de son calendrier. Voilà, et bien merci beaucoup. Et découvrons à présent Custo Déco. Custo Déco, voilà, qui est arrivé au terme de sa petite balade. Et donc, on va ouvrir la case numéro 24 que j'ai vue ici en bas.
Et c'est le dernier jour de ce calendrier. Donc je vais ouvrir le calendrier. Et puis voilà qui est fait. Alors j'ouvre le calendrier. Voilà. Et voilà. Hop. Et regardez ce que je trouve. J'adore. Oh, j'adore. Oh, il est trop beau. Il est magnifique celui-là. Oh, c'est avec des verres de champagne. Oh, il est trop beau. Très, très beau. Oh, il est magnifique. Une bougie, je crois, avec des verres de champagne. Il est grand en plus. Il est beaucoup plus gros que celui d'habitude. Regardez-moi ça. Oh, il est superbe. Ça peut aussi servir en anniversaire, nouvel an. Ah, oh, c'est trop sympa. Très, très sympa pour faire des petits sauts comme ça. Mais c'est sublime. Merci, merci beaucoup, Custo Déco, pour ce beau calendrier également. Vraiment, j'ai eu plaisir à découvrir tout ce calendrier. Et voilà, toutes les petites cases ont été ouvertes. Et c'était un magnifique calendrier. J'ai beaucoup aimé ce petit calendrier aussi. Et vraiment, merci infiniment. Merci infiniment pour ce calendrier. Tu vois, Susu, hein? Voilà, donc il est vide, il n'y a plus rien dedans. Il reste quelques trucs que j'avais laissés, mais pas grand-chose. Voilà. Et donc, pour le dernier saut, il est beaucoup plus gros que celui d'hier. Alors, d'hier par là. Et là, regardez. Ça, c'est celui d'hier. Et regardez, par rapport à celui-là, il est beaucoup plus gros en diamètre. Donc, voilà. Celui-là, c'est 1 euro. Et celui-là, on va dire, c'est 2 euros. Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça, hein. Voilà. Je vous laisse. Bye bye. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous montrer l'intercalaire numéro 23. Vous savez, toujours un jour de décalage. C'est comme tous les jours. C'est la page de la veille, forcément. Donc, je vais vous montrer. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous montrer l'intercalaire numéro 23. Vous savez, toujours un jour de décalage. Voilà donc l'intercalaire numéro 24. Voilà, donc je vous rapproche. Non, c'est pas la 24, c'est la 23. Donc là, on voit le Père Noël sur le côté qui va vite livrer ses cadeaux. Avec amour, sous le ciel étoilé, les étoiles. Et les rennes, ils se barrent ensemble. Ils vont ensemble avec le Polaroid qu'on a eu chez Scrap Didi. Voilà, donc toujours, j'essaye de mettre quelques petites créations de ce que j'ai avec les trucs du jour. Voilà. Et voilà pour l'intercalaire. Et voilà donc le December Daily de la page 23. Voilà. Alors, voici ce que j'ai fait. Donc, je suis venue ici rajouter une petite pochette avec cette petite illustration toujours du Forest. Voilà. Donc, je suis venue récupérer une chute pareille du Forest Christmas. Donc, pareil, j'ai remis une petite illustration. Et à l'intérieur, j'y mettrai quelques photos. Ou des écritures, on verra. Donc voilà, ça fait une petite pochette comme ceci. Et ensuite ici je suis venue mettre un rappel de ce papier, donc pour mettre le petit tag, donc du jour 23 sur lequel j'ai répertorié les cadeaux du jour. Et la phrase du moment, c'est: on se prépare, Noël presque, faire plaisir et se faire plaisir, c'est aussi avoir du bien. Voilà. Voilà ma petite phrase du jour. J'espère que ça vous plaît. Voilà, donc pour l'instant ici, j'ai pas mis de déco. Je laisserai peut-être comme ça. Je ne sais pas, on verra. Si je rajouterai quelques petites décos qui me restent ou pas, on verra. Après, c'est pas à peine de trop charger tout le temps non plus. Je vais venir récupérer là le petit 23. Voilà, puis après, ben, on va décorer la partie 24 aujourd'hui. Voilà, donc la partie 24, elle est comme ça. Donc j'avais mis cette petite illustration. Donc derrière, on pourra y mettre un tag. Ici, le petit tag. Ici, je mettrai peut-être une pochette pour mettre un petit livret. On verra. On verra. Donc ça, ce sera le jour du 24. Donc c'est aujourd'hui, avec la découverte des cadeaux du jour. Voilà pour ma page 23. J'espère qu'elle vous plaira. Ça vous aura donné un petit moment sympa de partage. Voilà ma
vidéo du jour 24 pardon, est terminée. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'étais contente de toujours partager ceci avec vous. Et je vous souhaite de faire un très très bon réveillon ce soir parmi les vôtres. J'espère que peu de gens seront malheureux. Je n'ai pas envie que les gens soient malheureux, mais il y a toujours du malheureux. Après, je pense qu'il faut savoir retirer du positif, malgré qu'on ne soit pas forcément avec les gens qu'on a envie d'être. Et puis, surtout, ben, quand je disais ça, c'est surtout par rapport à l'éloignement géographique en ce qui me concerne. Et puis, c'est sûr que j'aimerais bien voir mon fils, mes enfants, tout ça. On a envie de voir nos enfants. Et puis, ben voilà, il n'y a plus que le téléphone, la visio et plus que ça. Hein. Donc, c'est pas toujours facile à vivre. Mais bon, comme on dit, il y a toujours plus malheureux que soi. Personnellement, c'est pas forcément ce qui me rend moins triste. C'est pas comme ça que je réagis. Chacun fait comme il peut, hein, voilà. Mais du coup, en tout cas, moi, j'étais contente de partager toutes ces ouvertures de ce mois avec vous. Je vous remercie vraiment d'avoir fait ce partage avec moi et d'avoir répondu, d'avoir liké, de vous être abonné, tout ça. Et en fait, c'est pas fini hein, parce qu'il y a encore un petit après pour quelques petites bricoles. Et puis surtout, moi j'étais contente de partager cette aventure avec vous. C'était la première fois que je faisais un December Daily. Moi je suis trop contente de mon petit December parce que vraiment j'ai pris plaisir à faire ça de façon quotidienne. Même si des fois j'avais eu un petit léger retard pour des raisons diverses et variées. Eh bien écoutez, en tout cas, j'étais très contente de partager tout ça. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser parce que ma voix commence un peu à diminuer encore. Et puis, j'espère que ça va vite passer parce que ben, je n'aime pas être comme ça, c'est pénible. Enfin, j'ai plus de tonicité que les jours précédents, donc je suis plutôt vers le mieux. Donc c'est plutôt rassurant. Je me soigne. Voilà, on essaye de trouver des remèdes, pas trop chimiques, mais en même temps, il faut que ça passe aussi. Hein. Faut le temps. Et puis, bah, en tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une bonne veillée de Noël, un bon réveillon. Et puis, je vous souhaiterai joyeux Noël demain, parce que pour moi, Noël, c'est demain. Ce soir, aujourd'hui, c'est la veillée de Noël. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, ben voilà, prenez soin des autres aussi, de vous, mais aussi des autres qui vous entourent. Et soyez le plus heureux possible en tout cas et partagez tout ce qui peut être partagé, des moments, un moment, ça peut être des paroles gentilles, ça peut être de l'amour, ça peut être de la tendresse, ça peut être n'importe quoi le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur hein? En tout cas, moi je vous embrasse, vraiment merci beaucoup et puis j'espère que... Je vous dis à demain en tout cas pour, le 25e jour, donc jour 25 de Noël. Et puis voilà, j'ai un peu du mal à débrayer, mais ça vient. Voilà, et bien j'espère que vous aurez fait passer un petit moment sympa et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. À demain, passez une bonne journée, bon réveillon. Bye bye, joyeux Noël.